Et voilà, en direct toujours depuis Annecy où nous sommes pour cette descente des alpages. Il y a beaucoup de monde, il y a vraiment beaucoup de monde ici. Il n'y a personne. Mais il n'y a pas grand monde, nous dit madame, c'est vrai? Non, il n'y a absolument personne. Et ben, c'est vide de chez vide, allez-moi ça. 100 000 personnes. On est les seuls, ah, on oui. est les seuls ici. On est les seuls au monde. Oui, tout à fait. Et ben, dites donc, franchement, ça... En tout cas, ça vous a plu ou pas? C'est magnifique. Magnifique. Vous habitez où? En Suisse. Dites donc, quel coin? À côté de Lausanne, Froideville. Dites donc, nos amis voilà. vaudois qui sont avec nous ici. Exactement. On a d'ailleurs vu des bouviers bernois. Exactement, ils étaient beaux, hein. Magnifique. Et on attend les moutons. Là, ça va plaire aux enfants. Et après, il y a les vaches. Parfait. Et après, c'est il y aura même les oies, normalement. Je crois qu'il y a les oies qui vont arriver. On les a déjà voilà. Les oies ici. Oui, elles sont passées, les oies. Oui, mais elles passent normalement en marchant. Ah. Voilà, en direct. Merci beaucoup. Tiens, merci. On va faire un plan sur les... Merci. Les moutons en direct depuis le sein des alpages ici. Alors, on va s'éloigner un tout petit peu. Là, c'est impressionnant parce qu'il va y avoir maintenant les animaux. Si vous nous écoutez bien, si vous nous rejoignez, si ça marche bien. Depuis Annecy, toujours en direct, avec les sonneurs de cloches. Bravo les gars, ça fait un bouquin énorme. Et les cloches pèsent 32 kilos. Les moutonniers sont avec nous, dis donc. Les moutonniers en direct, comment ça se passe? Ça va, ça se passe bien. D'où viennent ces moutons là? Ceux-là, oh, bah, ceux-là viennent de Flaine. Ils viennent de Flaine. De l'Arcade. C'est Jean-Luc Arcadeur qu'on salue au passage. Il y en a combien? 205. 205 moutons, on va les montrer. Les moutons en direct ici. Et par ici, Johan. Voilà. Les moutons qui nous passent devant ici à l'instant même. En direct, Facebook, la place du village. On a 205 moutons ici et ils sont... Ils filent droit. Hein, ils marchent tranquillement. Allez-moi ça, les moutons. Extraordinaire. Avec leur propriétaire en direct, live Facebook. En direct live Facebook, Jean-Luc Arcade, propriétaire des moutons. Ces moutons viennent de Flaine. Oui, ils arrivent de Flaine, le plus bel alpage de Haute-Savoie. Je sais bien, dis donc, ça leur fait pas un choc thermique, non? C'est la... Non, parce qu'en ce moment, il fait très beau, c'est une très belle année. Une très belle réussite cette année dans nos alpages. Et je salue la télévision de... Mont Blanc Live. Voilà, Mont Blanc Live. Et voilà, direct, nous, Facebook, la place du village, pour Mont Blanc Live TV, télévision. Là, on dit bien, ça, c'est vraiment de la tradition. Ça c'est vraiment la tradition, c'est un beau clin d'œil d'Annecy et de Jean-Luc Rigaud au pastoralisme. Absolument. Merci beaucoup Jean-Luc, on verra bientôt sur notre télévision. Continue à défiler comme ça avec tes moutons. Bonjour Montaz. Montaz évidemment, je fais un grand coucou. Jean-Luc, à bientôt. On continue, tiens, on va aller montrer un petit peu les moutons ici. On défile toujours en direct, si vous nous rejoignez depuis Annecy et le sein des alpages. Nous sommes au passage des moutons qui viennent de Flaine. On vous laisse regarder ce spectacle ici. On va s'en approcher un tout petit peu. Voilà, ils ne sont pas encore tondus. Et on a les Border Collie ici à côté, on le précise bien. Les Border Collie, ça c'est important le Border Collie. Ouais, du boulot. T'as du boulot. Ça vaut un homme, hein, comme on dit. Les Border Collie ici, descendent des alpages en direct live Facebook. Si vous nous rejoignez, on est près du Lison tout à l'heure. Et il y a de l'ambiance, hein. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'ambiance et beaucoup de monde. Des centaines de milliers de personnes avec les moutons. Et même le bâton de berger, Jean-Luc. Le bâton de berger ici. Tiens, voilà. Très populaire, Jean-Luc Arcade. On le voit ici sur l'image. Si vous nous rejoignez ici, on adore l'accent, nous dit Didier. On vous salue dans un instant. Dans un instant, ça va être les vaches. Dans un instant, c'est les vaches qui viennent. Les vaches arrivent, madame. Les vaches arrivent. Ah, mais il n'y a plus personne, là. Tout d'un coup, il n'y a plus personne. Hein. Nous sommes en direct, live Facebook, la place du village. D'accord. Et on retransmet directement la descente des alpages aujourd'hui. Ça vous plaît ou pas? Oui. Magnifique, hein? Oui. Et puis, eh ben, les enfants, on ne l'avait pas vu, lui. Mais les enfants, ils ont des yeux. Ils viennent d'Annemasse. Ils ont des yeux comme ça. Comment est-ce qui te plaît ici? Qu'est-ce que tu as aimé? Les ânes. Les ânes. Eh bien, bien sûr qu'on aime les ânes, effectivement. Tu viens d'où? Annemasse. Il vient d'Annemasse avec sa famille et on vous remercie. Et on vous salue. Salut maman, c'est ça? Félicitations, la maman. Attention, Jean, Johan. Merci à vous et bonne journée. On continue. Avec cette fois-ci, nous sommes toujours ici, quelque part dans Annecy, c'est la rue Vaugelas, bien ça, à Annecy, avec en direct le passage des biquettes maintenant, on va pas les rater les biquettes en live, voilà, on vous laisse passer. On reconnaît notre ami Bruno Savoyard ici, qui aime, adore les vaches et qui est toujours avec nous, il est là pour l'instant. Et ça se passe comme ça. Ah ben voici, nos amis.
les vaches qui nous viennent. Formidable les gars, super les gars, bravo. Et ben voici défilé des vaches qui sont effectivement ici décorées en direct. Si vous nous rejoignez, nous sommes rue Vaugelas à Annecy. Voilà, rue Vaugelas à Annecy, c'est assez rare pour le dire, avec des vaches qui viennent de défiler ici. Et on est à la croisée de la rue Carnot ici. On se croirait en alpage. Attention aux bouses qui sont ici. Et il y a toujours beaucoup de monde ici. Voilà, beaucoup de monde. Tiens, yo-yo, voilà. Bonjour. On est revenu. On est revenu. Voilà le public qui nous. C'est super sympa. Hein. Vous dites, on revient. Ah bon, c'est super. Hein. Ah, bon. Télévision. Eh ben, c'est gentil. C'est bien. Super. À la prochaine. À bientôt, comme on dit, on attend les vaches qui arrivent encore. Hein. Merci, bonne journée. Voilà, ben ça continue. Toujours sous le soleil, il fait à peu près 15-20 degrés maintenant toujours. Hein, Johan. Au moins 25. Au moins. Au moins. Bien pour toi. Au moins 20 degrés. Johan qui porte le smartphone depuis le début. Il y a des petits soucis de liaison, mais on tient le direct parce que on voulait vous le montrer. C'est vraiment une fête originale. Il y a vraiment beaucoup de monde. 100 000 personnes, nous dit-on. Et franchement, ça mérite le détour. Ce sont Johan aux vaches ici. On va les montrer. Voilà. On attend d'autres bêtes encore qui vont arriver. Alors qu'on a le public en face là-bas qui nous. Tiens, yo-yo, viens voir. Le public est ici. Alors, ça vous plaît ou pas? Impeccable. C'est magnifique. C'est magnifique. Et des vaches comme ça. Ah oui. Et c'est pas fini. Ouais. Il reste des taureaux encore qui vont venir. C'est super. Je ne sais pas s'il y en a, je ne suis pas sûr. Hein. Ah, les cloches, ça réveille les touristes. Alors voilà un dossier. Un dossier qu'on a traité sur notre antenne. Les cloches qui dérangent les vacanciers, ouais. C'est pas possible. Ben non, les vaches, non, ça nous réveille. Il faut garder les cloches aux vaches. On ne veut pas les cloches. Voilà, le cri du cœur de notre ami ici, qui vient d'où, vous habitez où? Grenoble. Ben, les Grenoblois qui viennent parmi nous. Merci d'être venus ici. Dans un instant, on continue. Voici encore des bêtes magnifiques. Elles sont cornées et elles sont fleuries. Merci. À bientôt, dis donc, Grenoblois. Et voilà, les jeunes agriculteurs des vallées du lac. Ça sonne bien. Bonjour. Ça va. Tu viens d'où toi? Faverges. Combien de bêtes en tout? 70. On va saluer les jeunes agriculteurs parce que vous faites un gros boulot. Ouais. Vous tenez le territoire, vous faites des bons produits et vous avez de l'énergie et les joues roses. Merci, merci. Oui. La place du village est à vos côtés. Merci, c'est gentil. Là, super, continuez comme ça. Bravo, merci beaucoup. On voulait leur dire aussi, parce que c'est un message adressé au monde de la montagne, au monde de la ruralité. C'est pas toujours facile parce qu'il faut les traire ces vaches, voyez. Il faut s'en occuper. Elles sont bichonnées. Regardez-moi ça comme elles sont belles. Alors elles sont pas cornées ici, on dit bien. Elles sont pas cornées. Pour une bonne raison, c'est pour la sécurité. Hein. Ne soyez pas surpris. Avec ça, ça serait mieux. C'est ça, non? Il y a du son. Alors dites-nous s'il y a du son. Est-ce que là on a retrouvé le son? Je sais pas. S'il y a du son, c'est parfait. Dans un instant, on aura le son des cloches. Et j'ai une batterie de recharge au cas où, Johan. Nous sommes toujours en direct et merci de nous donner effectivement des retours comme ça, toujours depuis Annecy. Annecy qui descend de la montagne avec ses vaches, mais pas que les vaches, on a vu aussi d'autres animaux. Hein. Aussi, ouais, des moutons, des chèvres. Ah, Johan, c'est un bonheur. Oui, le son fonctionne, nous dit, mais tant mieux parce qu'on a des petits soucis aujourd'hui. Hein, Philippe nous dit ça, c'est important parce qu'on est dans une ruelle, c'est pas facile. Tiens, on va montrer un peu là-haut. Tu vois le balcon là-haut, il y a des gens qui sont tout là-haut sur le balcon et qui regardent, ils sont chez eux et ils regardent passer les animaux. Voilà, ben il y a même des commerces, tiens, et Morgane, on n'a pas fait de publicité, c'est comme ça que ça se passe, Johan, c'est comme ça que ça se passe. Et là, donc, on est dans la grande rue de la rue Vaugelas, et on attend encore un nouveau troupeau, si le son est bon, et ben le son est de retour, merci Claudine de nous le dire, ça c'est sympa, ben vous aurez le son des cloches, puisque c'est ça. Alors si vous n'aimez pas les cloches, et ben arrêtez le direct live Facebook, pas la peine de continuer, hein, puisqu'il y en a quelques-uns qui n'aiment pas les cloches, paraît-il. Ouais, il paraît, récemment. Voilà, tiens, on va aller voir les bêtes qui arrivent ici. Et on va demander, tiens, un petit peu comment ça se passe. Dans un instant, on va laisser passer avec le son. Et voici les tarines, Johan. Viens voir les tarines. Montre-moi les tarines. Les magnifiques tarines qui arrivent ici et qui viennent d'où ces tarines? Pardon? Entreverne. Entreverne. Attention Johan, viens vite. Attention, voilà, elles arrivent d'Entreverne les tarines et elles défilent à un pas assez rapide pour tout vous dire. Toujours en direct depuis la descente des alpages.
va laisser passer Johan. En direct depuis la rue Vaugelas avec les Montbéliards qui sont passés devant nous après les Tarines. C'est le défilé, c'est la race, pardon, la race abondance, attention, on dit bien c'est de l'abondance. Hein. Si on avait à nos côtés nos Savoyards, ils nous diraient attention, abondance devant nous. Et toujours ici, à rue de l'Annexion, pas loin, toujours à Annecy, avec les petits veaux. Ah, les petits veaux qui arrivent, formidable. Les petits veaux qui arrivent ici. Gros succès pour les petits veaux, toujours à Annecy ici. Et qui sont bien groupés, les petits veaux. Oh là là, les dedans. Ils sont à qui, ces petits veaux? À la ferme de Saint-Martin de Bellevue, de chez Thibaut Offert. Absolument, Saint-Martin de Bellevue, qu'on connaît bien. Eh bien voilà, écoutez, nous, on sera demain à Saint-Gervais pour la grande foire. La grande foire de Saint-Gervais. Merci, bravo. Beau succès, en tout cas, pour les petits veaux ici. Et le petit bonhomme qui les accompagne. Magnifique, en tout cas, en direct, live Facebook, la place du village. Voilà. Assez pire que des ânes. Hein, oh ouais. Ça avance pas, dis donc. Voilà, bah c'est une image de tendresse qu'on vous montre en direct live Facebook. Et ben voilà, bah on est là, regardez-moi ça. On est toujours ici. Et ben on est redémarré. Là, on est en direct live Facebook de la place du village. On revient sur une nouvelle télévision. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Allez voir sur ma page Facebook la place du village. On vous attend avec impatience. Merci beaucoup, c'est super sympa. Merci beaucoup, bonne journée en tout cas à vous. On continue le direct Facebook, la place du village. Alors là, cool. Ça va pour eux. Ah, ça va bien pour eux. Ah, très bien, ouais. C'est sympa comme tout. C'est magnifique ce défilé sous le soleil. Voilà, c'est tout fait. Très bien, bonne journée, merci. Voilà, Johan, le son est revenu apparemment. On a aussi l'image, vous êtes nombreux à nous rejoindre. Bonjour, Marc. Nos agriculteurs, on a salué leur mérite, leur travail, on dit bien. Ils font un boulot énorme, ils entretiennent les territoires, ils nous font des bons produits, des beaux paysages. Et ils ont des valeurs qu'on aime bien. C'est pour ça que la place du village, ils aiment bien. Jument d'hélice, dites donc, voici les magnifiques. Alors dites donc, vous rappelez que les chevaux travaillent encore aujourd'hui. Alors nous, les chevaux aujourd'hui, c'est des Haflinger, des chevaux autrichiens qui vont être destinés à faire du lait de jument. Écoutez, on Saint-Martin de Bellevue, du lait de jument, Johan, tu vois. Merci. 18, voilà. 18, ben écoutez, et après on fait du fromage. Non, on le vendra en bouteille pasteurisée. D'accord. Donc le lait de jument, jument d'hélice, et c'est beaucoup. Oui, voilà, on a 4 juments, un étalon, donc 3 juments en production l'année prochaine. Bravo en tout cas, c'est super, Saint-Martin-Bellevue. Vous voyez, sur Facebook, tiens, c'est marqué, Saint-Martin-Bellevue, allez-y, retrouvez-les. Voilà, c'est formidable, toujours dans la rue Vaugelas, ici, attention aux vaches qui circulent, Johan, fais attention de ne pas te faire mal. Toujours en direct, si vous nous rejoignez, nous sommes fiers de nos régions. On aime le son des cloches, nous, hein. Les vaches, on est avec les cloches, nous. Hein. Ouais, avec les cloches. Comme ouais. Ça. Ça se passe bien. Très bien, ça va très bien. Hein. Belle journée. Ah oui, magnifique, magnifique. En deux mots sur ces vaches. Deux mots sur ces vaches. Ah, c'est des Montbéliardes. Ça. Montbéliardes. Ouais. De chez Offert, de Saint-Martin. Tout à fait, Saint-Martin de Bellevue. C'est oui, ça. Voilà, ouais. Bravo, en tout cas, pour le défilé. Merci beaucoup. Tenu, à bientôt, merci, au revoir. Voilà, on continue et le défilé est presque terminé puisque maintenant on clôt le défilé. Salut, bon moment. Ça va bien. Alors, comment ça s'est passé? Mais bien passé. C'est bon temps. Parfait ou pas? Ça sont contents, ben, comme chaque année. Ben, comme chaque année, il faut venir ici. Eh ben voilà. À l'engrain. Eh ben Johan, on a... Merci beaucoup, Harvey. Eh ben l'émission prend fin, Johan. On a terminé. On va vous saluer tous et toutes. Merci beaucoup à Johan, à la caméra qui a fait un énorme boulot. C'était Annecy, Destin des Alpages. Vous nous retrouvez à la place du village tous les jours, on le dit bien, sur la nouvelle chaîne Mont Blanc Live TV. C'est à 18h le soir, mais ça passe aussi à 9h à midi. Demain, mon frère jumeau Philippe sera à la grande foire de Saint-Gervais-les-Bains. Faut pas y rater surtout. On était heureux d'être là avec Patrice Mallet. MB Live TV, c'est aussi la montagne, bien sûr, des hautes montagnes, mais aussi des montagnes du fond de vallée, avec ce qui s'y passe, ces vaches, ces bons produits. C'était un bonheur. Bientôt une émission spéciale sur la descente des Alpes, dans la place des villages. À tout bientôt. On vous remercie, Yo-Yo. Tiens, mets-toi un petit peu. On va montrer Johan 2 minutes comme ça. Voilà, Johan, tiens. Voilà.
super. Bah voilà. Yoann à la caméra qui a travaillé toute la journée. Voilà, tout à fait. Bah merci hein, de nous avoir suivis, très nombreux aujourd'hui. Merci beaucoup Yoann. Merci à tous de nous avoir suivis. Eh ben, Harvey pas. Et à l'an prochain, ou en tout cas à bientôt. Merci. Salut.